On a le plaisir aujourd'hui d'inaugurer le centre PEREX 4.0 qui est une évolution majeure dans la manière dont nous allons exploiter nos réseaux d'infrastructures. C'est une évolution parce que, bien entendu, il y a un nouveau bâtiment. Ce bâtiment, il est presque passif. En termes d'énergie, il est quasiment zéro énergie. Aujourd'hui, on a le plaisir d'inaugurer un centre PEREX 4.0 qui va avoir un élargissement majeur de son périmètre d'intervention, puisqu'évidemment, on va continuer à exploiter les réseaux autoroutiers, on va développer des outils sur les réseaux routiers eux-mêmes, on va exploiter les réseaux de fibre optique de la Wallonie, mais aussi développer l'exploitation des voies navigables wallonnes. On va pouvoir, à partir de ce centre PEREX 4.0, télégérer, télémanœuvrer ces écluses à partir d'ici du centre PEREX, mais également surveiller les niveaux d'eau et les débits et pouvoir manœuvrer les ouvrages, que ce soit les barrages réservoirs, mais également les ouvrages barrages au fil de l'eau, pour pouvoir permettre d'assurer toujours les niveaux de navigation, mais également de gérer les ressources en eau. Progressivement, on va avoir de nouveaux équipements de terrain, de nouveaux panneaux à messages variables, une nouvelle capacité à gérer l'éclairage routier, puisqu'on a aussi un projet en parallèle de rénovation complète de notre éclairage sur les grands axes avec l'introduction de LED et avec la capacité de gérer ici, au niveau du centre PEREX, de manière tout à fait dynamique en temps réel, les niveaux d'éclairage routier en fonction des circonstances. On aura aussi toute une série de capacités à accueillir ici les collaborateurs qui vont gérer la mobilité des marchandises sur nos voies d'eau et de faire en sorte aussi qu'on puisse avoir une interaction la plus fine possible avec le secteur de la logistique, le secteur de la batellerie, pour donner les meilleures informations sur les conditions de navigation et donc avoir des flux de transport de marchandises qui soient totalement optimisés.